Tu me trouves toujours canon, là. Carrément. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Ça fait du bien. Écoute... je suis vraiment désolée. Pour la nuit dernière. C'est rien. Plusieurs morts dans le secteur 14. Toutes les unités disponibles au rapport. À vous. Ici le secteur 13, unité Lima à proximité. Combien de SCAR? À vous. Ce ne sont pas des SCAR. Il s'agit d'un homme seul, armé. Tu penses à ce que je pense? C'est Tommy. C'est où le secteur 14? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. D'accord. Tina. Ouais. Ça va pas fort. Hey. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Ouais, d'accord. Attends. Ça te portera chance. Je crois pas en la chance. T'as tort. Ok, il reste. C'est le bon endroit? Ouais, c'est le bon endroit. Ça doit être Tommy. Chier. Je fais comment pour monter? Merde! On devrait foncer dans le tas. On sécurise le périmètre, donc on n'a pas d'autres ordres. Ouvre l'œil, au cas où il se pointerait. J'ai quelque chose. Oh, merde. Les infectés. Faut qu'on entre. Allez, allez. Ce type a un lien avec la clé de l'école. J'ai peut-être un truc. On va aller voir ce que c'est. Allez. Alors, ça donne quoi? Pas de problème.
de chier ces WLF. Wow. C'était quoi? Je crois qu'il est en bas. C'est pas possible. Il est encore ici, il vient de faire sauter un camion. Tu crois? Ouais, putain, j'en suis sûr. Dispersez-vous! Ils sont peut-être plusieurs! Ils sont cernés. On y va.
peux me dire ce que tu fous là? Comme si j'allais vous laisser partir seule. Jesse. Où est Dina? Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Déployez-vous! Elle est partie par là! Oh putain, ils sont nombreux. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va aller. Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Ok. T'es prête? Ouais. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a une intrusion. Prends celui de gauche. Tiens, encore? Il nous faut plus de sentinelles, bordel. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. On peut aller voir cette maison? Ouais. Hey, tu vois quelque chose? Ça va, là-bas? Kara? Allez, réponds-moi! Okay.
Je crois qu'on est bon. Allez, viens. Vas-y. Par là. Ok. Dina! Salut Dina. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose un peu. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais, allez, viens. Doucement. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligé de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand de Jackson? Un jour après vous. Mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Petit, vous êtes encore là? Faites pas un pas de plus! C'est moi! Désolée. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, non. Allez, non. Hey. Baisse ton arc, c'est bon. Baisse ton arc. Tais-toi. Baisse ton arc. Il est fou, lui. Alice. Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Elle s'appelle Yara. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je
voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut ? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupe et on cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous. C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures ? L'hôpital des Wolves, c'est ça ? À l'ouest ? Comment ? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures ? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse ? Les Scars utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois ? C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider ? Puisse-t-elle te protéger ? Abby. Abby. Hé. Quoi ? Attends. T'as piqué mes clés ? Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça ? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle ? Fais pas de conneries, ok ? La chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel. Et comment il s'appelle, lui ? Owen. Mel. Owen. Abby. Et la chienne, c'est Alice. J'aime pas les chiens. Comment on fait pour atteindre les grands immeubles ? La passerelle est là-bas. Le chemin est là, conduit vers le centre-ville. Hein ? Aux grands immeubles, comme tu dis. Tu seras capable de nous guider après ça ? La route, elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prendrai le relais. Ces passerelles permettent vraiment de franchir les rapides ? Ouais. Tous les rapides ? Ouais, ouais. En quelques heures seulement. Je ne mens pas. Ok. Le voilà. C'est l'immeuble où on doit aller. Ok, je le vois. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel pour ton ami ? Eh ben... il faudra qu'elle essaie de l'opérer avec Scowen à sous la main. Ce serait pas l'idéal. Comment se sortir ? Si on récupère le matos, enfin, elle a de bonnes chances. Ne tombe pas à l'eau. On sera emporté par les rapides. Je sais. C'est nager, au moins. Ouais, je tomberai pas plus. T'es sûr de toi, c'est bien.
Essayons de voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur ces passerelles, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Séraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfuis? 2 jours. Et vous comptiez aller où? Je sais pas. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Je l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. Pourquoi tu l'as fait alors? Je sais pas. Cool. Tu t'en sers depuis longtemps? De mon arc? Depuis toujours. T'es plutôt douée. Tu devrais voir Yara. Pourquoi ils lui ont fait ça? Les gens sont parfois cruels. Ma mère disait pareil. Au sujet des wolves. Oh, elle avait pas tort. J'ai peur pour elle. Pourquoi? Ils vont s'en prendre à elle à cause de moi. Tu te fous de moi, là? Je suis incapable de faire ça, moi. Tu peux faire le tour, si tu préfères. Ouais, je préfère. Putain. J'avais un cousin qui avait le vertige. Tant mieux pour lui. Ok. On y est. Allez, viens. On va encore monter longtemps. Ça veut dire oui. Oui. Frimeur! C'est pas si dur que ça! Ouais, ouais. Par là. Comment on a pu rater ça? Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire « on ». Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. Tu vas bien? Ouais. Je vais t'aider. C'est bon. T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Ok. Oh.
C'est les Scar qui ont construit ça? Les Séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes. Et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication.